Je suis Monsieur Otis, nouveau propriétaire de ces lieux. Bon sang, Yvan, il faut absolument que je vous prenne en photo. Où ai-je mis l'appareil? Me prendre en photo? Ah non alors, ces gens n'ont vraiment pas le sens des convenances. Attendez, ne bougez pas, sacrebleu, vous allez me faire rater la photo. Je vais lancer mon rire démoniaque, celui qui glace le sang. Il faut que ces gens-là sachent à qui ils ont vraiment affaire. Quel horrible tour, mon ami! Comme vous devez souffrir! Cher monsieur, permettez-moi de vous offrir cet excellent remède. Vous verrez, une seule cuillerée fait déjà de l'effet. Cher ami, permettez-moi de vous présenter Sœur Simon de Canterville. Je l'avais deviné, cela n'empêche qu'il faut absolument qu'il se soigne. Absolument! Permettez-moi d'y ajouter aussi cette remarque. Vos chaînes font un bruit intolérable. Pensez-vous à les graisser de temps en temps? Ne dites rien, j'ai la solution. Voilà, des clipoils, un lubrifiant de l'élite. Une goutte par-ci, par-là, et toute la rouille s'en va. Je vous laisse la burette. Allez, ma chère, après toutes ces émotions nocturnes, un bon gros dodo. Je n'aime pas être dérangée en pleine nuit par des imprévus. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Existent, ça me fait bien plaisir d'en avoir un. Vous l'avez vu, père? À quoi ressemble-t-il? Bah, à n'importe quel fantôme, j'imagine, mais fort sympathique dans l'ensemble. Un peu souffreteux, cependant, mais je lui ai donné un sirop contre la toux. Je lui ai offert un lubrifiant pour ses chaînes, mais il n'a pas eu l'air d'apprécier mon cadeau. Tiens, la tâche est revenue sur le parquet.
C'est bizarre, elle est verte cette fois. C'est lui, j'en suis sûre. Je vais l'enlever à nouveau avec mon super détersif Pinkerton. Mais pourquoi a-t-il mis du vert à la place du rouge? Il est un peu dérangé, votre fantôme. En tout cas, je n'ai nul désir de causer le moindre mal à ce fantôme. Et je dois vous faire observer qu'étant donné le nombre de siècles qu'il a passé dans ces murs, j'estime que nous devons le laisser en paix. Bien sûr, mais s'il refuse de graisser ses chaînes, il faudra que nous les lui enlevions. On ne peut pas dormir avec un tel tintamarre. Certainement. Les enfants, je vous interdis d'embêter ce pauvre fantôme. Soyez gentils avec lui et pas de vos farces idiotes comme à l'habitude. Je compte sur vous. Entendu, papa. C'est juré, papa. Bien, finissons de déjeuner. Nous reparlerons de tout cela plus tard. Il faut que je secoue mes chaînes et que je suis à travers les trous de ce mur.